le chef du Bagatelle à Épinal qui s'occupe de nous. On va confectionner la troisième recette de cette semaine. Donc on est parti sur un tourne-dos de truite qu'on va associer avec une belle petite sauce au pinot noir. Hein. C'est ça. Tu es en train d'ailleurs de commencer à préparer, tu ciselles les échalotes. Et tu associeras ça avec des petits légumes. Donc là, tu as déjà coupé, on a de la carotte, céleri, courgette. Oui, fenouil. Fenouil. Et puis tu rajouteras une petite pomme de terre. Voilà. Ben, tous les légumes du marché, quoi. Donc là, on a coupé, ciselé nos échalotes et donc ça va être la base de notre sauce. Donc échalotes et ensuite donc un pinot noir. On va cuire nos échalotes. D'accord. Dans le pinot noir. Réduction. Réduction aux 3/4. D'accord. Comme ça, l'échalote, elle aura pris la couleur, le goût. Ah, super. Et donc voilà, on va mettre sur le coin du feu et on va la faire réduire. On surveille, on fait quoi après, Pascal? On va lever les truites, on va confectionner les tourne-dos. Les tourne-dos. Alors, la technique, c'est tout simple. Bah, c'est vrai, quand on doit faire, on sent l'expérience. Le but, c'est de ne pas laisser une seule arête. Ouais. Ouais, mais pour vraiment pas qu'on s'en retrouver dans l'assiette. Pour réaliser ton tourne-dos, tu comptes combien? Tu fais quoi? Une truite par personne. D'accord, ah oui, donc... Oui, c'est une belle portion. Ouais, hein. C'est assez généreux. Ça, c'est des produits que tu utilises depuis combien d'années? 30 ans. Ah ouais. C'est pour ça, c'est l'expérience à force de lever les truites et de t'en occuper. Tu vas garder ça? Oui, on va faire un fumé avec. D'accord. Ça va nous permettre de confectionner la sauce. Oui, en fait, la sauce, ça va être le mariage entre la réduction de pinot, c'est ça? Et, oui. Et puis le fumé, qui va permettre d'hydrater. Voilà. Une pointe de crème pour l'onctuosité. Et le tour est joué. Donc là, c'est bon. On a nos filets. Oui. Et donc, on va faire nos tourne-dos. Oui, une technique à moi. D'accord. Donc, en fait, t'as juxtaposé les deux filets l'un au-dessus de l'autre. Voilà, j'ai reconstitué la truite. D'accord. Ensuite, donc, t'as pris du lard. Donc, tu le roules sur lui-même. Et ensuite, d'accord, tu refermes. Et à l'inverse, on referme l'autre côté. D'accord. Et là, on a notre tourne-dos. Oui, donc là, en plus, on est sur un mélange terre et mer. Ça fonctionne super bien. Puis on est dans les Vosges. Oui. On a du lard et de la truite. Donc, les deux se marient bien. Voilà. Mariage heureux. Et voilà, on a un beau tourne-dos. Et puis, pour terminer la cuisson et le parfumer un peu, on va mettre un champignon dessus. D'accord. Champignon. Oh là là. Que tu tournes, c'est trop beau. Ça, on sent toute l'expérience. Ensuite, tu as la petite déco qui va bien. Tu vas le cuire comment, ton tourne-dos? Dans un peu de fumée. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. La truite, ça ne demande pas non plus 10 heures de cuisson. Hein. Et on est sur un poisson qui cuit très rapidement. Très rapidement, puis il ne faut pas trop le cuire. Un fumé donc que tu as déjà fait. Hein, Avec les arêtes. Voilà, voilà. On les passe tout de suite en cuisson ou on attend? On va peut-être faire notre sauce d'abord? Oui. On va d'abord faire notre sauce. Parce que ça sera rapide. Et terminer les légumes. C'est ce que j'allais dire, on va les mettre sur le chaud, ça. Voilà. Je les emmène. C'est ça. Je les mets là. Oui. Et on les fait revenir, les petits légumes. Une petite goutte d'eau pour démarrer la cuisson. D'accord. Une noisette de beurre. Oui. Je te laisse assaisonner sel et poivre. Oui. La réduction de pinot noir est bonne. Oui, ça a bien réduit. Ouais. Mmh. On n'a plus du tout d'alcool, tout est brûlé. Mm-hmm. On n'a plus que les odeurs, les arômes. Pour remettre les légumes. Ça, je mets ça. Je te donne ça pour faire... Le velouté. Le velouté. Voilà. Donc, tu vas faire... Même principe. Le même principe que ce que tu avais fait avec le velouté d'asperges. C'est donc, ça. On fait un roux au départ. On fait un roux au départ. Et ça permet de donner de la consistance à ta sauce, c'est ça? C'est ça. Et de la gourmandise, pour le coup. Donc là, on va terminer notre sauce. Tout en surveillant nos petits légumes, on cuira nos tourne-dos dans le fumet de poisson. C'est ça. Et puis après, on n'a plus qu'à dresser. Oui, plus qu'à. Et puis, surtout le plus important, à goûter.
faut que tu trouves une arête, sinon je vais être à l'amende. Hein. Ça manque pas plus de cuisson, hein? Non, c'est parfait. Mmh. La cuisson est top, et c'est vrai que ce qui est bon, c'est que finalement, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est dans une recette qui est assez saine. Parce que tu vois, les petits légumes, on les a fait revenir. On n'a qu'une tourne-d'eau en plus dans le fumé. Donc ça, c'est bien parfumé. C'est toute une osmose. Exactement. Et tu as la petite sauce qui est là pour apporter la petite touche un peu gourmande, ouais, et assaisonnement. C'est parfait. C'est vraiment une très, très belle recette. Quoi. Mmh. On fait quoi ensuite? Ensuite, on va faire un suprême de poulet jaune. Au miel et au thym d'ici. Le thym vient du jardin et le miel il vient de la montagne. D'accord. On reste dans le coin. On reste toujours dans le coin. Voilà.